Soyez tous salut famille, j'espère que vous allez tous bien. Famille, avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de prendre la vidéo, de mettre dans tous les groupes. Parce qu'aujourd'hui, là, les cassements de papo. Famille, en 2021, le rôle de l'armée française dans le Sahel était déjà dénoncé en 2021 par les journalistes de RT. Chers frères, que fait l'armée française au Niger? Que faisait l'armée française au Mali, au Burkina? Et même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mais c'est pas dans le Sahel, on se pose la question, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Aujourd'hui, vous allez écouter le journal le journaliste de RT. Mais bien avant, prenez la vidéo, mettez dans tous les groupes. Poussez énormément les bleus. Poussez les bleus énormément. Famille, un ancien président de la Côte d'Ivoire et un ancien ministre français. C'est-à-dire, il était président de la Côte d'Ivoire et il a été ministre français. Et en son temps, il expliquait déjà, il disait ceci. Celui qui détiendra l'Afrique sera le maître du monde. Donc, ce père fondateur, aujourd'hui, il va vous expliquer. Mais, famille, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Écoutez jusqu'à la fin, vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est parti, famille. Écoutez. Comment dire c'est une façon de présenter les choses, de manière générale, le combat de la France contre le terrorisme et pour la démocratie, qui est, peut-être qu'on peut en parler, qui est épouvantablement fallacieuse. Car, en réalité, je vais être parfaitement clair là-dessus, la présence militaire française au Mali, en aucun cas, ce n'est pour combattre le terrorisme et pour défendre la démocratie. Ça, c'est de la communication de la part des autorités françaises et de la part de l'armée française. Enfin, de l'armée française, entendez-moi bien, je parle de l'armée en tant qu'institution, je ne parle pas des soldats. Mais les motifs réels ne sont pas ceux qu'on nous raconte. En fait, mais je voudrais simplement revenir, si vous le voulez bien, sur les motifs invoqués et les motifs réels, parce que ça me paraît important à souligner. D'abord, est-ce que c'est pour combattre le terrorisme islamiste? Ben non, ça se prouve facilement, le Qatar est un financeur massif du terrorisme et pourtant il n'y a pas d'intervention militaire française au Qatar. Vous voyez? Donc c'est pas ça. Est-ce que c'est pour combattre... Il y a moins de poches de djihadistes au Qatar qu'au Sahel. Mais je vous parle du... Voilà, sur le terrain. En termes de dangerosité de propagation du terrorisme, le Qatar est infiniment plus dangereux que les combattants du nord du Mali. Vous comprenez? En termes de danger de... Et pourtant, il n'y a pas d'intervention militaire française au Qatar. Donc c'est pas pour ça. C'est pas non plus pour combattre l'islamisme. Parce que une grande puissance islamiste, dangereusement islamiste aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, la France lui vend des armes. C'est pas non plus pour rétablir la démocratie ou pour défendre la démocratie au Sahel, parce que, je sais pas vous l'apprendre, au Sahel, l'armée française bombarde les rebelles qui combattent la dictature de Déby au Tchad. Donc c'est pas, la France n'est pas un défenseur de la démocratie au Sahel, ça n'est pas vrai non plus. Donc une fois qu'on a éliminé toutes ces pistes-là, qu'est-ce qui reste comme véritable motif? J'allais vous poser la question. C'est simple, c'est pour protéger l'accès de certaines grandes firmes françaises aux ressources stratégiques du Sahel. Je vais vous prendre deux exemples pour que ce soit... C'est dommage qu'on n'ait pas une carte, ce serait plus clair pour les gens qui regardent. On aurait dû la faire avant, mais peut-être qu'on en a, si on m'entend en régie éventuellement. Mais en fait, si vous regardez la carte du Mali, et puis vous avez la Mauritanie, et puis vous avez... le Niger. Si vous regardez attentivement, au Niger, vous avez Areva qui exploite des gisements d'uranium pour, en particulier pour les centrales nucléaires françaises. Et en Mauritanie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'exploitation du pétrole par une firme qui est Total. Et entre ces deux zones, vous avez quoi? Vous avez le nord du Mali, où vous avez une situation de révolte. Donc oui, effectivement, il y a un intérêt direct qui est de l'ordre de l'accès des ressources, qui est un intérêt donc géo-économique, si vous me passez l'expression. Et donc c'est ça le motif fondamental de la présence militaire française au Sahel, hein, parce qu'ils ne sont pas qu'au Mali, et non pas des considérations sur la défense des droits de l'homme. Tous les hommes qui se sont penchés sur le Sahara ont estimé que d'immenses richesses dorment aujourd'hui sous le sable. Richesses minières, richesses pétrolières. Mais les moyens techniques financiers à mettre en œuvre pour l'exploitation rationnelle de ces richesses sont d'une importance telle qu'aucune des régions limitrophes n'est capable de les réunir seule. Précisément, Monsieur le Ministre, que peut-on attendre dans les prochaines années de la mise en valeur du Sahara? Nous attendons beaucoup de la mise en valeur rationnelle des régions sahariennes. Mais je voudrais vous dire, ou plutôt recommander à tous, la prudence. Le Sahara, en effet, regorge de beaucoup de richesses.
Mais pour le moment, pour l'instant, ce sont des richesses mortes. Il nous faut des moyens financiers, des concours techniques, du travail. Néanmoins, nous sommes en droit de dire que le Sahara, rationnellement exploité, peut constituer des sources immenses de richesses, non seulement pour les habitants du Sahara, pour les populations riveraines, mais également pour l'ensemble de l'Union française. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la source de pétrole, la source énergétique, si capitale à l'indépendance politique de la France et partant de l'ensemble franco-africain. Nous voulons en effet, par l'exploitation des richesses pétrolières, rendre à la France et à l'ensemble de l'Union française leur indépendance vis-à-vis de l'étranger en matière énergétique. C'est un facteur très important dont il faut tenir compte quand on pense, quand on songe à la mise en valeur des régions sahariennes. Qui aura l'Afrique dominera le monde. C'est une vérité. Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Soit qu'il développe ses matières, valorise ses matières premières pour son économie, ou soit qu'elle empêche que sa matière première parvienne au camp adverse. Et vous avez tous attendu. Vous avez bien attendu. Poussez énormément les bleus. Poussez les bleus, prenez la DE, envoyez dans tous les groupes. Famille, cette fois-ci, nous sommes déterminés à nous battre pour notre libération, la libération de l'Afrique. On va y arriver. Famille, c'est parti. Poussez énormément les bleus. Le soldat du Babo pour vous servir.